faut vous parler de ça et vous dire que ça correspond à ce qu'on appelle n'importe quoi et n'importe comment. Quand on fait les choses n'importe comment et qu'on fait n'importe quoi, on est dans le ça. Et d'ailleurs, le nationalisme, c'est du ça. C'est donc du n'importe quoi, n'importe comment, qui est sacralisé. Donc, ce sont des pratiques qui sont ce qu'elles sont. Donc, ça n'a pas tellement de sens, c'est pas rationnel, mais c'est comme ça. Et l'équinoxialité vise à mettre fin à cette socialité du n'importe quoi, du n'importe comment, en disant il faut que ce soit rationnel, il faut qu'une langue soit rationnelle, il faut qu'une langue soit cohérente, et il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité au sein d'une société, il faut qu'il y ait des valeurs communes au sein d'un ensemble aussi large que possible. Donc là, il y a une véritable lutte entre plusieurs visions du monde qui vont d'ailleurs alterner. La droite va vouloir faire alterner le n'importe quoi et le n'importe comment, en trouvant que c'est très intéressant que les gens soient très particuliers, que les groupes soient très spécifiques, soient très reconnaissables. Et la gauche voudra unifier, uniformiser, unidimensionnaliser et rechercher avant tout une dimension, je dirais, scientifique, en tout cas géométrique, en tout cas normative, que ne recherche pas la droite. Donc, voilà. Donc, je crois que la meilleure définition de la solsticialité et du ça, la position à l'équinoxialité sur moi, c'est le n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je mange n'importe quoi, je dis n'importe quoi, et je suis content comme ça.